La Côte d'Ivoire, ce n'est pas uniquement Abidjan, et ça, Ariel Chaney l'a bien compris. Il compte très bientôt aller à la rencontre des populations de l'intérieur pour leur offrir d'énormes spectacles. 14 points focaux sont prévus. Une tournée dans 14 villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire qui démarrera dès le 17 juin prochain à Korogo. Pour cette tournée dénommée Ghetto Tour, les villes telles que Bouaké et autres seront sillonnées. Toutes ces informations ont été livrées lors du récent live Meet and Greet ou Live Star. Les fans et lecteurs présents ont également voulu s'enquérir de son actualité et ses projets. Lors de la soirée, le public présent a voulu savoir ce qui explique son apathie face aux menaces d'emprisonnement contre DJ Arafat. Enfin, stratège et bon communicant, Ariel n'est pas rentré dans les détails, évitant par des tournures linguistiques de se prononcer sur le sujet. En coulisses, Arnaud Jaguar, son manager, a révélé qu'il est judicieux que son artiste n'en parle pas. Il n'a rien à avoir avec toute cette histoire et ça ne le regarde pas. Pour l'instant, il reste concentré sur sa carrière et ses projets à court terme. Les populations de Korogo seront donc les premières à le recevoir pour le Ghetto Tour. Ariel leur promet deux fois plus que ce qu'il a offert le 1er mai dernier lors de son concert à l'Ivoire Golf Club. Retrouvez toutes les actualités des People sur le site de Life Magazine.